qui effectivement pose des difficultés réelles. Mais, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit, monsieur le député. Oui. Donc, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Bien.